Bienvenue dans l'atelier de Pascaline Ray, artiste plasticienne. Elle crée la marque de bijoux 2 mars en 2018. 2 mars, pourquoi ? Parce que pas tout à fait périen. Le maître mot de son travail, il est pur, la passion de la forme. L'esprit arty, ses bijoux fascinent pour leur matière et leur esprit chic et féminin avant tout. Alors, vous voyez là, ce sont des boutons de manchette sains, donc qui sortent de la fonte, hein, donc qui sont tout à fait bruts, que je dois travailler. Et en fait, vous avez aussi une bague sain. C'est une série de mon travail d'artiste que j'intitule « Quitte à être objet, autant servir à quelque chose ». La bague boule, une merveille qui affine les doigts et donne de l'élégance aux gestes. Voilà, donc c'est comme ça que je suis liée aux bijoux, en fait, parce que je travaille sur mon travail d'artiste, sur l'identité féminine et justement comment l'image du corps de la femme construit son identité, souvent évidemment dans les yeux de l'homme. Pascaline Ray s'inspire du design, de la mode, des arts contemporains, mais pas que. Dans mes inspirations, évidemment, je suis très influencée par l'art contemporain, par le design, enfin, par mon environnement, professionnel. Donc ça fait partie de mes inspirations, la ligne, la géométrie. La collection Trompe-l'œil, c'est vraiment un petit clin d'œil à l'art cinétique, parce qu'en fait, c'est un cube qui est plat, mais qui en fait a du volume quand on le regarde. Donc ça, c'est un sautoir qui s'ajuste. Je ne sais pas si j'ai tout à fait là, ce qu'il faut, mais... Donc voilà, donc ça on peut le porter, par exemple si on a, ça a de l'allure, une chemise, on peut le porter comme ça, ou on peut le porter en sautoir. La bague également, qui a aussi pas mal de gueule. Ces bijoux sculptures subliment la personnalité et affirment le caractère de celles qui les portent. On adore cette manchette, pièce phare de la collection, qui magnifie n'importe quelle tenue, du pull noir à col roulé à la chemise blanche en passant par le fourreau sexy. Alors c'est une manchette au sens propre. C'est-à-dire que la manchette, ça vient de la chemise d'homme. Oui. Et d'ailleurs, chez Charvet, par exemple, quand vous avez une chemise Charvet, on vous change le col et les manchettes quand elles sont usées. Vous la rapportez, et donc c'était... voilà, c'est cette idée-là. Je fais tous mes bijoux sur moi. Donc c'est pas de la modélisation 3D, donc ce sont des bijoux assez vivants. Par exemple, cette bague boule, on voit qu'elle a été modelée. Tous mes bijoux sont assez, comme on dit en anglais, statement, c'est-à-dire assez importants. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas mes bijoux avec des robes volantées à fleurs. C'est vrai qu'on... D'ailleurs, j'aime bien dire que c'est plus un accessoire. C'est-à-dire que c'est un peu mégalo, mais moi je le considère comme le principal. On choisit son bijou, on s'habille après. Une de mes signatures, c'est quand même ce brossé doux. En fait, comme je travaille le laiton, j'adore cette couleur du laiton. Et si le laiton ne s'oxydait pas, j'aurais même pas besoin de faire une dorure. Ça, c'est la collection origami, donc vous avez aussi les bagues. Je fais tous mes prototypes ici et ensuite je fais fabriquer en Ardèche, où il y a pas mal de savoir-faire, parce qu'il y a historiquement Murat était en Ardèche, donc il y a une sorte de mini vallée du bijou près du Mont Gerbier des Joncs. La nouvelle collection s'inspire des différentes strates qui ont formé notre planète, toute une histoire. Ça, c'est toute une collection autour de la géologie. L'idée, c'est vraiment la croûte terrestre, c'est les plaques, comme vous pouvez voir
à côté de Reykjavik. J'étais très inspirée par toutes ces matières, par la lave, par ces accumulations. C'est-à-dire que toutes ces couches qui viennent s'accumuler, c'est comme le stalactite où vous avez toc, toc, goutte à goutte. Un goutte à goutte qui dure des milliers d'années. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Et j'adore toutes ces matières, donc ça en fait, c'est modelé. Ça a, comme vous dites, une certaine gueule, c'est-à-dire beaucoup d'allure. Toute cette collection que je suis en train de décliner, que j'appelle géologie, donc il va y avoir des plus petites choses, il y a un pendentif, ces bracelets, je les fais en un peu plus petit et un peu plus léger, parce que ça, ce sont les protos. Pascaline Rey travaille aussi des formes un peu plus simples. J'ai certaines bagues qui sont aussi pour hommes, donc que je fais dans des tailles hommes, voilà, qui ont d'ailleurs un certain succès. Et donc je voulais faire quelques bracelets, parce que quand même les hommes portent beaucoup de bracelets. Ils commencent, ouais. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des protos, vous voyez, ça sort de la fonte. J'ai pas encore, j'y ai un tout petit peu travaillé pour l'instant. Mais voilà, donc je sais pas lequel je sortirai, probablement celui-ci. L'adresse est sur le site necplusultra.paris.